The Exuberant Animal Workshop, originally scheduled for May, has been rescheduled for September. Comme certains d'entre vous, vous le savez, on avait un cours qui était prévu au mois de mai, mais vu les circonstances, on l'a reprogrammé au mois de septembre. So this will be a quick preview and some highlights of all the great things we'll be doing at the workshop. Donc, ça va vous donner déjà une petite idée de ce qu'on peut faire dans les séminaires que j'anime. If you've never been to an exuberant animal event before, you're in for an exciting time. Et je vous assure qu'un séminaire animal exubérant, c'est quelque chose de très excitant. Et donc, si vous n'avez jamais vécu cette expérience, vous verrez, c'est quelque chose. But first, a few words about the pandemic. Et j'aimerais d'abord commencer par quelques mots à propos de la pandémie. It's obvious a lot of millions of people are suffering right now, and we're all trying to get back on our feet. Il y a des millions de personnes aujourd'hui qui souffrent de cette pandémie et on cherche tous à se remettre sur nos deux pieds. But this is also a good time to keep our minds open to larger possibilities. Et je pense que c'est un bon moment pour garder nos esprits ouverts et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. And this workshop will offer exactly that. Big picture perspectives and ideas that contribute to a functional future. Voilà, c'est exactement les idées que je présente dans mes séminaires. Ça, c'est très important. Et ça va nous permettre de construire un futur plus viable ensemble. In other words, this is a perfect time for this event, and I'm delighted that you're going to be joining us. Et du coup, moi, je pense que ça va justement être le timing idéal pour organiser un séminaire de ce type, juste après la pandémie, pour pouvoir réfléchir un peu différemment. So, let me give you the overview. Voilà, une petite vue d'ensemble de ce qu'on peut faire dans mes séminaires. This workshop will give you some powerful ideas and life lessons for navigating the modern world. Donc ça va nous permettre d'avoir pas mal d'idées pour pouvoir naviguer dans le monde d'aujourd'hui. Et pas que des idées, aussi des moyens pour naviguer dans le monde moderne. You'll also enjoy some robust physical and social games that your body will love. Et dans ces séminaires-là, il y a aussi beaucoup de jeux corporels qu'on va adorer, que nos corps adorent, des activités très plaisantes. This training might help you to become a better athlete, but even more important, it'll help you to become a more well-rounded human being. Bien sûr, ce type de séminaire et ce type de mouvement peut nous aider à être un plus grand athlète, un sportif plus accompli. Mais avant tout, c'est un séminaire qui est plutôt fait pour être des êtres humains plus accomplis. The workshop experience is built on a rhythm of engagement that alternates between active movement sessions and slideshow presentations. Dans les séminaires, on a un équilibre entre mouvement et présentation. C'est un équilibre entre les deux. By moving back and forth between movement and lecture, we keep our energy level high and our attention sharp. Donc, afin de garder notre attention bien focalisée et notre corps en mouvement, eh bien, on va vraiment alterner en permanence mouvement, présentation, théorie, mouvement, présentation, théorie. The presentations will go deep into the human experience and leave you with a powerful appreciation of the human body in context. Donc, les différentes conférences que l'on va faire vont vraiment nous permettre de comprendre le contexte dans lequel on s'engage en tant qu'être humain et de notre globalité d'être humain. You'll also learn some useful ideas for your work as a teacher, trainer, coach, or health professional. Mais c'est pas juste quelque chose qu'on va faire sur soi. On va apprendre de nombreuses choses qu'on va être capable d'appliquer, que l'on soit entraîneur sportif, professionnel de l'éducation ou professionnel du monde de la santé. C'est toujours quelque chose qui va se faire dans un contexte très large. This material is drawn from my experience in Africa, as well as my time in the martial art world, athletic training, massage, and bodywork. Donc moi, j'ai passé ma vie à étudier les arts martiaux, le massage, le mouvement, et aussi j'ai vécu en Afrique. Et donc, je voudrais vous faire partager toute ma vie d'expérience autour du mouvement. The games and movements we'll be practicing are drawn from the exuberant animal experience, inspired by the martial arts, dance, and functional training. Donc, il y a des choses qui viennent du monde de la danse, du monde des arts martiaux, etc. Et ça, je le présente dans mon livre, l'expérience de l'animal exubérant. Ça, c'est la version anglaise à gauche. Et la version française prévue pour être sortie au mois de septembre s'appellera Manuel pour bouger, dans lequel il y a un grand nombre de mouvements, de jeux et d'activités qu'on fera pendant le séminaire.
These moves are practical, fun, and socially engaging. C'est des mouvements pratiques, donc fonctionnels, amusants, et qui nous permettent une interaction sociale les uns avec les autres. So we start our workshop with a presentation about the state of the human animal and the problem of evolutionary mismatch. Donc la première chose qu'on va voir, c'est quel est notre état d'animal et quel est un petit peu notre incompatibilité qu'il y a avec le monde moderne par rapport à notre état d'animal que nous sommes. Voilà. Our aboriginal bodies are finely tuned for life in a wild outdoor habitat. Nous avons des corps aborigènes. Et nos corps aborigènes, ils sont faits pour vivre dans un certain environnement, dans un certain habitat naturel. But today we're struggling to find our way in a modern alien environment. Mais il se trouve que nos corps aborigènes, aujourd'hui, vivent dans un monde complètement étranger à cette corporalité. Un monde moderne, industriel, qui est étranger à ce corps aborigène que nous avons. Sedentary living, fake food, noise, chronic stress, sleep deprivation, tribal ambiguity, and nature deprivation. Nous vivons dans un monde sédentaire, avec une nourriture qui est artificielle, avec du bruit, avec des maladies chroniques, avec un manque de sommeil, avec une ambiguïté de notre appartenance tribale, avec un manque de nature. It's no wonder we're having so much trouble adapting. C'est pas étonnant qu'on ait autant de difficultés à nous adapter. Body, habitat, tribe and community, meaning and purpose. These are the circles that sustain us. The circle, that's what we... Frank, can you repeat the last sentence? These are the circles of... These are the circles that sustain us. Voici les cercles qui nous constituent, qui nous soutiennent. Ce sont notre corps au centre, puis notre habitat, notre tribu, notre communauté, et la signification, le sens à la vie. Ça, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous apporte le soutien à notre fonctionnement. But sadly, all of these relationships have atrophied in the modern world. Mais tous ces cercles-là sont carrément atrophiés dans notre monde moderne. And now we are literally out of touch with the forces and processes that keep us alive. Et aujourd'hui, on est vraiment déconnecté, hors de contact de ces différents mécanismes qui pourtant nous maintiennent en vie. The result is that we're psychologically and spiritually disconnected from the earth and life itself. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est spirituellement et physiquement déconnecté de la nature et de notre environnement. This is a deep and dangerous form of amnesia, a radical forgetting of our physicality and our continuity with all of life. On a créé une sorte d'amnésie sensorimotrice très profonde au niveau de notre mode de vie, de notre fonctionnement intrinsèque, au niveau corporel, mental, spirituel. And of course, things aren't looking good for lifeboat Earth either. Et moi, je trouve que les choses ne se présentent pas bien pour le bateau de sauvetage qui est devenu la Terre. La Terre est devenue vraiment un radeau de sauvetage et les choses ne se présentent pas très bien pour nous. The water is rising fast and the passengers are pulling in every direction, unsure of what they're doing or where they're going. Le niveau de la mer monte très rapidement et les passagers ne savent plus quoi faire et comment s'en sortir et où ils vont. Ils sont complètement perdus, les passagers sur le navire, ou plutôt le bateau de sauvetage terrestre. Some of our problems are obvious. Climate change, habitat destruction, and all the rest. Donc il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, hein, réchauffement climatique, problème de notre habitat, problème écologique. Il y a beaucoup de choses qui font du sens aujourd'hui et qu'on voit qui ne vont plus bien. But underneath it all is a narrative that no longer works. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus d'un point de vue culturel, d'un point de vue de notre histoire. On est arrivé à un cul-de-sac. The conventional story of human supremacy, dualism, capitalism, and individualism no longer provides guidance. Aujourd'hui, l'ancien modèle que nous avions au niveau de notre société. Can you repeat the different word, please, of the model capitalism, etc. The conventional story of human supremacy, dualism, capitalism, individualism
no longer provides. Le capitalisme et toutes ces valeurs aujourd'hui ne sont plus d'actualité, ont montré leurs limites. We are, as some people have put it, between stories. Aujourd'hui, comme certains l'ont dit, on est entre deux histoires, entre une histoire qui termine, un narratif qui se termine et une nouvelle histoire à inventer. So after our first presentation, we'll take a break and get into some movement. Donc pendant le stage, voilà, on fera des présentations sur le modèle que Franck vient de présenter. Et puis une fois qu'on aura passé à peu près une heure à présenter ce modèle et ce rapport que nous avons à l'environnement et à ce dysfonctionnement que nous avons par rapport à notre corps et l'environnement, on fera une pause de mouvement. The first class will be solo bodywork, a series of movement snacks that you can do anytime. Donc la première pause de mouvement qu'on fait dans le cours, c'est des petits mouvements que tout le monde peut faire dans toutes les situations. Next, we'll take a look at big history and the paleo. Et puis ensuite, il y a une autre petite conférence que j'aime bien faire, c'est sur la grande histoire et le monde paléo. These are essential studies because they give us a sense of context and continuity with life on Earth. C'est très important parce que ça nous donne un sens de contexte et de continuité avec notre planète, cette longue histoire de l'évolution humaine. The human animal didn't simply fall out of the sky. We have a history, and that history tells us volumes about our bodies and how best to train them. L'animal humain n'est pas apparu soudainement. Il y a une longue histoire, une longue continuité historique de cet animal humain qu'il est important de comprendre pour comprendre notre fonctionnement d'aujourd'hui. We'll take a look at the ancestral environment and wonder about the challenges that were faced by our Paleolithic ancestors. Il est très intéressant de voir dans quel environnement a vécu l'animal humain pendant de nombreuses années, des centaines de milliers d'années, et de voir à quel défi a dû faire face nos ancêtres. As you'll see, this paleo view is about a lot more than athleticism. Ce n'est pas qu'une histoire d'athlétisme et de force corporelle, hein, le monde paléo. Pas du tout. It's about culture and the oral tradition. It's about understanding plants, animals, and habitat. C'est pas qu'une histoire de choses physiques et de corps physique, c'est une histoire de tribus, d'environnement, de... Can you repeat again, please, the last word? Oh, it's about understanding plants, animals, and habitat. Comprendre l'habitat, les animaux, les plantes, tout notre environnement. It's about moving, but it's also about sensing, cooperating, and learning. C'est bouger, ressentir, coopérer, apprendre, c'est toutes ces valeurs-là, le monde paléo auquel on a dû faire face. I will tell some stories about my time in Africa and my experience with the Hadza Bushmen in Tanzania and the Kalahari Bushmen in Botswana. Je raconte mes histoires que j'ai vécues avec le peuple Bushman pendant un certain temps et je raconte beaucoup d'histoires de ce que j'ai vécu là-bas à leur contact, ces Bushman d'Afrique du Sud. Du sud de l'Afrique. And we'll look at the dilemma. Et il y a un dilemme qu'on va regarder. Going back to an authentic paleo lifestyle is impossible for most of us, but going forward, Aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière et retrouver le monde paléolithique d'autrefois. C'est totalement impossible. But going forward on our current path of technological domination is completely unsustainable and maybe even insane. Ce serait complètement fou de vouloir continuer, cependant, le modèle aujourd'hui technologique qui arrive vraiment dans un cul-de-sac. Donc, on ne peut ni revenir en arrière au monde paléo, ni continuer le modèle dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. C'est impossible. So we'll be looking for a hybrid solution, one that honors our deep ancestry and lets us grow in some new ways. Donc il faut absolument trouver un nouveau modèle qui va à la fois puiser du côté de nos ressources paléolithiques et puis de ce qu'on peut faire. Comment on va hybrider tout cela avec un nouveau modèle, une nouvelle histoire à proposer? Then it's back to the playing field, and this time we'll start by building rapport and getting to know other human bodies in motion. À ce moment-là, c'est le bon moment, dans un séminaire, après avoir fait cette présentation, de commencer à faire des choses ensemble, de commencer à se mettre en rapport les uns avec les autres, de créer quelque chose ensemble. We will play body awareness games like Sidewalk Dilemma and Animal Magnetism.
ce qui est intéressant, c'est de créer une relation et une prise de conscience sensorielle, comme d'apprendre à marcher l'un à côté de l'autre, ou un jeu que j'appelle le magnétisme animal. Voilà des activités qu'on peut faire pour créer un rapport les uns avec les autres. This kind of practice is essential for understanding movement and rich whole body communication. C'est important pour comprendre le mouvement et la communication corporelle globale de faire ce type de mouvement d'activité. We'll play a series of target touch and heckle or stability drills. On va faire des petits jeux qui mettent au défi notre stabilité et puis quelques petits chahuts. On va chahuter un petit peu et faire des activités de ce type-là pour travailler notre équilibre. Then it's back to the lecture hall, this time talking about culture and cognition. Et puis ensuite, petite conférence sur culture et cognition. Et là, I might translate what is written on this slide. Il est écrit là une grande citation de notre ami Descartes. Il est certain que moi, c'est-à-dire mon esprit, est entièrement et véritablement distinct de mon corps et qu'il peut exister sans lui. So as it turns out, the body looks completely different through different cultural lenses. So it's important to know what kind of society you're working with. Alors, selon la société dans laquelle on vit, notre corps est considéré différemment. Donc, c'est important de savoir dans quelle société on veut vivre parce que ça va conditionner le type de corps et la manière dont notre corps est considéré. So naturally, we'll talk about Descartes and the catastrophic effect his philosophy has had on the human experience. Donc, bien sûr, il est très important de regarder l'héritage de Descartes et la catastrophe que cela a créé dans notre société, la vision de Descartes. We will talk about the difference between the classic and romantic points of view. On va parler de deux points de vue, le point de vue classique et le point de vue romantique. The classic view is all about calculation, measurement, sequences, and hierarchy. Le côté classique, c'est mesure, calcul, hiérarchie. Ici, les mots clés écrits séquence, forme, discipline, les faits concrets. Ça, c'est l'approche classique. And the romantic view is all about direct experience, intuition, and quality. Alors que l'aspect romantique, c'est faire l'expérience des choses, c'est l'intuition, c'est, y a le mot clé, corps, esprit, ça c'est l'approche romantique. Et histoire, raconter des histoires, point de fin. Going back outside, we'll practice games like the judo heckle. Et puis il est temps de refaire un petit peu le mouvement et les petits combats de judo, les petits chahuts, les petits jeux. This is a hybrid game. Just a minute, Frank. David, vas-y, je t'écoute. Oui, sur le chat, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes de son. On t'entend mal quand tu traduis et que je pense que peut-être il y a une variation. C'est ça. Ok, merci. Je te laisse fermer ton micro. Sophie, dis-moi ce que toi, tu veux dire. Tu poses la même chose. Idem, Paul. C'est-à-dire, quand je parle en même temps que Franck, ça... A priori, les gens sont gênés tout le temps quand tu parles. Ton micro ne doit pas être assez fort ou tu dois être trop loin. Et il y a aussi une autre demande au niveau de YouTube. Il n'y a plus la vidéo. Donc, les gens sont en train de rejoindre Zoom à la place de YouTube. Ok, pour YouTube, je réglerai le problème plus tard, puisque j'enregistre, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, quand je parle, tu m'entends pas bien, Sophie ? Moi, j'entends bien. Après, j'ai des écouteurs et les personnes ne sont pas toutes d'accord sur la nécessité d'avoir des écouteurs ou pas, donc il faut voir. Ah oui, d'accord, ok. Mais... ce que je pense qui pose problème, et il faudra me dire si je me trompe, c'est si Franck parle et que je parle trop vite après lui, le logiciel a du mal à mixer les voix et que du coup vous m'entendez mal, alors que si je parle tout seul vous m'entendez bien. Il y a pas mal de personnes qui parlent d'un bruit de fond à ton niveau, Paul, et effectivement Franck on l'entend très très bien. Ok, so Franck, just a minute, we are having a little bit of trouble. Voilà, ça va être mieux comme ça. C'est encore mieux, donc je pense qu'on va avoir confirmation sur le chat. Désolé voilà. Pour tout le monde. Aïe, catastrophe, j'ai branché le mauvais micro, c'est entièrement ma faute. J'ai branché le micro de l'ordinateur et on entend le bruit de l'ordinateur au lieu de brancher celui de la webcam. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait tout seul.
Je suis vraiment désolé pour ce problème technique. Et donc, je pense que maintenant, le problème devrait être résolu. Ok, je laisse, te laisse couper ton micro, Sophie. Oui. Merci et tous ceux à qui j'ai remis le micro. Désolé, je vais juste demander à Elodie si c'était ça. Non, elle a baissé la main, donc je pense que c'est bon. Ok, Frank, sorry, I was having trouble with my mic, but it's now corrected and people should hear me fine now. Ok, well, talking about movement, one of the things we will learn is how to touch another human body. En termes de mouvement, une des choses qu'on va apprendre, et c'est très important, c'est comment toucher un autre corps, un autre corps humain. Many of us come from low touch backgrounds and we're not even sure how to begin this practice. Ça, c'est important parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas d'expérience du toucher. C'est pas notre pratique quotidienne, donc la plupart des gens ne savent pas comment s'y prendre pour toucher quelqu'un d'autre. But learning how to touch someone safely and appropriately is an essential life skill. Et pourtant, je pense que savoir toucher quelqu'un de manière appropriée, c'est quelque chose d'essentiel, c'est une compétence essentielle à acquérir. Next, we'll talk about practical neuroscience and neuroplasticity, the cellular basis for learning. Voilà, et un autre sujet que j'aime aborder dans mes cours, c'est la neuroscience, mais appliquée, et parler en particulier de neuroplasticité. This understanding is vital for anyone who works in education, training, coaching, or rehab. Alors, ces connaissances de neuroplasticité et de neurosciences sont essentielles pour tout le monde, qu'on soit dans le monde thérapeutique, de la rééducation, dans le monde éducatif, quelle que soit notre profession, il est essentiel d'avoir ces notions de neurosciences. We'll take another break for movement, this time with games like rope-a-dope. Et puis ensuite, on fait d'autres jeux comme tirer à la corde. This one looks like tug of war. I don't know that game. Oh, tug of war, it's just where two people pull as hard as they can. Oh, okay. Against each other. Donc ça ressemble un peu au jeu de tirage de corde où on est deux l'un contre l'autre et on cherche à tirer la corde à soi de toutes ses forces, mais ce n'est pas ce jeu-là. But in this game, you can let the rope slide through your hands. Yeah. And you could trick your opponent into overreacting. Mais mon jeu est un peu plus subtil. Au lieu juste de tirer l'un contre l'autre avec la corde, à certains moments, je suis autorisé dans la règle du jeu de lâcher un peu ma corde, de la laisser glisser dans mes mains pour surprendre l'adversaire, enfin le partenaire. Et ça, c'est une autre adaptation qu'on doit effectuer. The challenge here is to be stable, sensitive, and smart. Donc, ce qui est difficile ici, c'est de rester malin, stable et adaptable. Plus, it's really fun. Et puis, c'est surtout très amusant. Next, we'll talk about functional training and why it's so essential. Autre petite conférence essentielle, parler de l'entraînement fonctionnel. We'll review some history, some culture, and some fundamentals. Il est important de revoir ce que c'est au niveau culturel, au niveau de certains fondamentaux, de l'historique de tout ça, d'où viennent ces notions d'entraînement fonctionnel. For example, we'll have a look at the SED principle and what it means for training and living. On va revoir en particulier le principe SED, c'est-à-dire l'adaptation spécifique aux contraintes imposées. C'est une chose importante à connaître en physiologie, cette adaptation spécifique aux contraintes imposées. The body adapts with incredible precision based on how it's used. Parce que le corps s'adapte à ce qu'il fait. Et donc, en fonction de son utilisation et de ce qu'on en fait, il s'adapte d'une certaine manière. We'll talk about the importance of proprioception and why a smart body is so essential to function and health. Et une des choses qui est absolument majeure, c'est la proprioception. Et à quel point la proprioception a un rôle sur notre fonctionnement et sur notre santé. Là, sur sa diapo, il y a écrit que le sens de la proprioception, qui veut dire propre, ressentir, notre sixième sens, ressentir notre propre corps, le sens secret, c'est un déplacement nerveux de 119 mètres par seconde. Donc, c'est hyper rapide, 119 mètres par seconde. Et c'est essentiel, ce fonctionnement proprioceptif dans notre santé. And I will remind you about Coach Vern Gambetta's advice to work movements, not muscles. Et je vais beaucoup insister sur le travail de Gambetta qui disait qu'il faut travailler le mouvement, les mouvements et non pas les muscles.
In our next movement session, we'll practice some roll-in in the Aikido style. Et ensuite, petite pratique de mouvement, apprendre à faire des roulades d'Aikido, style Aikido. Make your arms into a circle and keep that circle strong. Créer un cercle avec nos bras et garder ce cercle bien solide, bien fort. If the circle is true, you can roll in any direction safely and smoothly. Si on forme un véritable cercle, on peut rouler avec assurance et sécurité dans toutes les directions. In our next presentation, we'll talk about our social nature, especially in light of human evolution. Et ensuite, on va parler dans une petite présentation de la nature humaine, surtout de voir la nature humaine d'un point de vue de l'évolution humaine, bien sûr. May I translate the words on the slide? Yes. Tribe or die, ça veut dire tribu ou mourir. Évidemment, on perd un petit peu le côté poétique ici. Tribu ou mourir. Et puis à gauche, acceptation, inclusion, affiliation. À droite, rejet, exclusion, bannissement. When you're out on the grassland in a predator-rich environment, it's vital that you belong to a tribe. Quand vous êtes dans un environnement herbacé, n'est-ce pas, dans un paysage herbacé, il est très important à ce moment-là d'avoir une tribu pour pouvoir survivre quand on est dans la nature, à vrai dire. C'est pourquoi il y a écrit tribu ou mourir. Sans tribu, on ne peut pas vivre seul dans la nature. In fact, our bodies are built for direct conversation and communication via an embodied, highly sophisticated resonance circuit. Nos corps sont en fait faits pour la communication et pour l'interaction avec quelqu'un. Nos corps sont construits pour être dans un circuit de résonance avec un autre corps. In other words, our communication is about much more than words. Our social nature is fundamentally physical. Et la communication, ce n'est pas qu'une histoire de mots. Bien, c'est bien plus que cela. C'est toute une interaction physique et concrète, la communication. And we'll talk about the African social philosophy of Ubuntu. En Afrique, il y a une philosophie très importante qui se cache derrière le mot Ubuntu. This is often expressed as we are people through other people. Yeah. Dans la philosophie africaine Ubuntu, on dit que nous sommes quelqu'un, nous sommes une personne qu'à travers d'autres personnes. Nous ne pouvons pas être humains en isolation, de nous isoler. On est un humain parce qu'on est en relation avec d'autres êtres humains. C'est ça, être humain. C'est la relation qui nous définit. This orientation is widespread and probably even universal in native and indigenous cultures. Et dans tous les peuples indigènes et dans tous les peuples connectés à la nature, ça, c'est une clé de leur philosophie. Then it's back outside, this time to review some martial art fundamentals. Et puis on va dehors et on revoit des principes de base des arts martiaux. You'll learn how to move from a proud position and then some basic techniques. From a proud position, from what is it? A proud, you can see the triangle shape there and point, the triangle, that's a prow, like on a ship. On va apprendre à agir comme dans les arts martiaux, comme si on était à la proue d'un navire, voilà, un peu avec ce triangle ici, et avancer comme ça. L'idée here is not to win fights or dominate opponents, but to feel a sense of integration, power, and rapport with your partner. On ne va en aucun cas chercher à battre et avoir une notion d'adversaire, mais ce qu'on va apprendre, c'est justement à entrer en interaction avec l'autre, à créer une synergie avec le partenaire. Then we'll talk about the primal human bond with habitat, an orientation that is universal in native and indigenous cultures. Et bien sûr, on va parler de notre connexion à notre habitat, à notre environnement. Et ça, c'est absolument essentiel et on le retrouve dans toutes les tribus et chez tous les indigènes, cette connexion à l'habitat. Go ahead, read that. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? C'est une phrase aborigène. Blesser la terre, c'est nous blesser nous-mêmes. Donc faire mal à la planète, c'est nous faire mal à nous-mêmes. Et si d'autres personnes blessent la terre, font mal à la terre, alors ils nous blessent nous-mêmes. I am the land is me. Je suis la terre est moi. I am the forest is me. Je suis la forêt est moi.
Étant moi, et moi. I am the river, the river is me. Je suis la rivière est moi. In fact, most native people make little or no distinction between the individual body and the environment. It's all part of a single continuous whole. Dans tous les peuples premiers, il y a une continuité entre nous et le peuple et la terre avec laquelle il vit. L'environnement n'est en aucun cas séparé de nous-mêmes. L'environnement, nous sommes dans l'environnement, mais l'environnement est en nous. L'environnement nous façonne et nous façonnons l'environnement. We might even consider the ecosystems of the earth as external organs of the human body. Et moi, j'aime bien concevoir les différents écosystèmes terrestres comme différents organes du corps humain. Les différents systèmes terrestres sont comme différents organes de l'être humain. Je me suis répété, mais c'est tellement important. Yeah. Okay. Merci pour votre gentillesse et votre écoute. Hein. C'est pas évident de traduire en n'étant pas à côté de Franck, mais c'est un plaisir d'être parmi vous et j'espère que vous saurez passer sur mon amateurisme dans la traduction, mais c'est un vrai plaisir de traduire, Franck. Merci à tous, en tout cas. Et j'espère qu'il n'y a plus de problème de micro. Je pense qu'on a résolu le problème. Let's go on, Franck. Thank you. Then it's back to movement, this time with the medicine ball. Et puis ensuite, on fera quelques jeux avec ballon de médecine. C'est le ballon lesté qu'on utilise, qui est très chouette pour faire des jeux. Big loops and patterns, spirals and figure eights. Alors, on fera des boucles, des huit couchés et toutes sortes de mouvements avec les ballons lestés. We'll practice passing games with partners in motion. On se fera des passes de ballon pendant des déplacements avec partenaires. Or, we might play a game called Attention Deficit Disorder. Et puis, il y a un jeu que j'aime bien qui s'appelle le jeu de problème d'attention. In this one, we start with one medicine ball and good passes. On commence avec un ballon et on fait une passe. As people warm to the movement, we add more balls. Et plus ça va, plus on rajoute des ballons. As you can imagine, this one gets exciting really fast. Et évidemment, ça devient très vite très très amusant. We'll take a break and then we will talk about health and medicine, especially from a holistic indigenous point of view. Alors ensuite, j'aime bien parler de la santé, de la médecine d'un point de vue holistique. Ici, the keywords that are written on this slide, les mots-clés qui a écrit sur cette diapo, c'est ancêtres, tribu, esprit, corps, mental et la terre. This model has worked for thousands of years for some of the most successful cultures on earth. Ça, c'est un modèle qui fonctionne depuis des milliers d'années pour des cultures humaines qui ont existé et qui ont réussi à vivre pendant des milliers d'années. So the medicine that sustains us and heals us is in the circle, in the plants, animals, soil, water and atmosphere. La véritable médecine, elle est partout autour de nous, dans l'atmosphère, dans les plantes, dans les animaux, dans tout ce qui nous entoure. C'est là qu'est la véritable médecine. The circle is what keeps us alive and whole. C'est ce cercle qui nous maintient en vie, qui nous maintient en unité, ce cercle de toutes ces interactions. Then we'll talk about medicalization. On va aborder ensuite ce qui s'appelle la médicalisation. The tendency of modern culture to view every aspect of the human experience through a medical lens. Aujourd'hui, on a tout tendance à voir d'un point de vue médical, surmédicalisé. May I translate what is on the slide? From childbirth to exercise, aging and death, today these experiences are all treated as medical problems. Aujourd'hui, tout est traité comme si c'était médical, comme si c'était un problème médical, que ce soit la grossesse, l'enfantement, la petite enfance, la vieillesse, tout est vu comme quelque chose de médical. Ici, il y a écrit sur la diapo, restez actifs et amusez-vous. Et ce qui est amusant, c'est que si on lit, c'est une recommandation par la Croix-Bleue qui est largement répandue aux États-Unis, et il y a écrit, si vous commencez à bouger, c'est bien, commencez par 10 minutes d'exercice par jour et puis continuez à aller jusqu'à 30 minutes. Mais avant cela, parlez à votre médecin avant de faire un programme de mouvement. C'est-à-dire, on nous dit bougez, mais avant de bouger, allez voir un médecin.
C'est ça, il y a une sorte de paradoxe là-dedans. Quoi qu'on fasse, ça doit être supervisé par la médecine. We'll talk about the power that lies in our ability to identify with the biosphere and the totality of life itself. Alors que moi, je pense qu'il y a un véritable pouvoir à nous identifier à la biosphère, à identifier nos corps à la biosphère. Je pense que là, on va avoir une médecine vraiment d'origine, une médecine primordiale. We'll also talk about modern research into the power of awe. On va parler des recherches récentes et du pouvoir que l'on peut trouver dans l'émerveillement. L'émerveillement est véritablement médecine. When we expose ourselves to nature's immensity, we enjoy a wide range of psychophysical benefits. Je pense que quand on se plonge dans l'immensité de la nature, on va recueillir des bénéfices absolument énormes. Ici, il y a écrit dilatation du temps, inclination à être prosocial, réduction du sens de soi, de l'ego, réduction de l'inflammation. Il y a beaucoup de bénéfices à être entouré par les merveilles de la nature. C'est une véritable médecine. More games? Bien sûr. Après avoir parlé de ça, on fera des petits jeux. Juste une petite parenthèse. Là, Franck nous présente un peu le stage et ce qu'on va faire pendant tout le stage du mois de septembre pour ceux qui vont venir. Mais dans les prochains jours, je l'ai convaincu de faire des présentations. Certaines des présentations qui seront faites dans le stage, seront faites dans le stage. Mais il a beaucoup d'autres présentations de diaporamas à présenter. Et il nous les présentera dans les prochains jours, une ou l'autre, pour nous présenter sa philosophie plus en détail et certaines choses qui sont dans ses livres pour l'instant qu'en anglais. Yeah, go ahead, Frank, thank you. And then we'll do a presentation about stress, especially chronic stress that we experience in the modern world. On fera quelques jeux et puis ensuite on parlera du stress, et en particulier du stress chronique que nous rencontrons tellement dans le monde moderne. Ici, il y a système nerveux central, système nerveux sympathique et périphérique, comment tout cela fonctionne sous stress, et c'est important de le comprendre. We'll talk about stress in the paléo. Et le stress d'aujourd'hui n'est pas la même chose que le stress qu'il y avait dans le monde paléo. Donc, quel était le stress que nous avons vécu pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années en tant que paléolithique, en tant que paléo-humain? And of course, we will talk about this famous inverse U curve of stress. Et il y a une courbe très importante qui est la courbe en U inversée du stress. C'est très important. Ici, il y a écrit, c'est la dose qui fait le poison, n'est-ce pas? Un peu de stress, c'est une bonne chose. Trop de stress, ça devient neurotoxique. And then another movement session. Puis, après cette petite conférence sur le stress, remouvement. This time with partner resist exercises. Avec de la résistance faite avec partenaire, donc des petits exercices de résistance l'un avec l'autre. And then we talk about activism. Et puis on va parler d'activisme. Physicality is essential, but we've also got to engage with the wider world and protect the systems that sustain us. Pourquoi on va parler d'activisme? Parce que je pense qu'il est très important d'impliquer nos corps avec la réalité concrète du monde. Ici, il y a écrit, l'activisme, c'est apprendre. C'est important d'engager nos corps dans la planète, véritablement, de se confronter physiquement aux choses. And we'll even talk about the health effects of activism itself. Et je pense même qu'il y a des effets bénéfiques sur la santé d'être activiste. And we'll talk about education. Et puis évidemment, on va parler d'éducation. The role of the teacher, trainer, coach or health professional in creating a functional future. Et je pense que le personnel de la santé, mais aussi les coachs, les praticiens de différents niveaux, les différentes professions, les éducateurs, les enseignants ont tous un rôle à jouer absolument majeur. For example, we will talk about the drama triangle. Et on va parler du triangle dramatique très connu de Cartman. And what it means for us both personally and professionally. Et ce que ce triangle a d'important d'un point de vue personnel et professionnel. Ici, il y a les trois rôles de ce triangle, le rôle de victime, de bourreau et de c'est comment le troisième? Et de le bourreau, le persécuteur, la victime, et le troisième, c'est la personne à sauver. Zut, j'oublie toujours.
la victime, le bourreau et le persécuteur. Oui, Sophie, tu voulais dire quelque chose? Non, elle a baissé la main. Bourreau, victime, sauveteur. Merci. Ma fille qui est à côté de moi me le dit. Je le sais, je l'enseigne, mais évidemment, j'oublie. OK, Franck. OK, and then finally, I'll bring you up to date on the Sapiens Project. Et puis, il faut savoir que j'ai un projet qui s'appelle le projet Sapiens, que j'ai et j'aime beaucoup partager de ce projet. Over the last few months, I've talked to some truly exceptional people. Et c'est quoi ce projet? Eh bien, ça fait plusieurs mois que je m'entretiens avec des grands penseurs de notre temps sur notre planète et que j'ai des conversations cœur à cœur avec eux au coin du feu. Je les enregistre et c'est diffusé sur Internet en anglais. So that's the overview of what you'll experience. Voilà, ça c'était une petite présentation de ce qu'on fait dans mes séminaires Animal Exubérant. Alors, il y a écrit ici, travail à faire à la maison, devoir à faire à la maison. Do you want me to translate what is on the slide, homework? Sure. Qu'est-ce qui est écrit sur cette diapo, devoir à la maison? Alors, pratiquer des squats, des accroupissements, surtout des accroupissements type tribal, de la locomotion, donc bouger, des ballons lestés, du travail avec des 8 couchés, et puis regarder mes petites vidéos de sapiens, de discussion au coin du feu, et puis de la lecture. On va parler de ça. So you want to get in shape for this because you'll have a lot more fun if you do. Et je pense que si vous comptez venir à mon séminaire au mois de septembre, eh bien, on peut commencer déjà à s'entraîner pour être parfaitement en forme le jour où on va arriver, premier jour du stage. So watch some Sapiens videos. Donc, pour ceux qui parlent en anglais, vous pouvez voir mes vidéos Sapiens. And then do some reading. So here's some reading for you. Et je vais vous présenter quelques bons bouquins à lire. Il y a des livres à lui, bien sûr, dedans. Bon, si vous n'avez pas lu L'animal exubérant, lisez-le en premier. Le reste ne sont qu'en anglais, malheureusement. There's also a reading list on the Exuberant Animal website. Et bien sûr, sur mon site, j'ai une longue liste de mes livres de chevet que je vous recommande de lire. Moi, je pourrais vous passer ma liste, moi, Paul, le traducteur. So that's it for now. I hope you all have a good summer and that everyone gets back to stability and good health. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur ce que je fais dans mes séminaires et j'espère que ça vous a plu. Merci pour votre patience pour le micro et la traduction, mais Franck est disposé à répondre à des questions si vous voulez, bien sûr. Et puis il nous fera des petites conférences dans les jours prochains sur ces différents sujets. Yeah, great, Franck. So, are you up to questions? Sure. Okay. So, can you close the slide, please? Oh, right. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, commenter, poser une question, surtout si vous parlez anglais, c'est l'idéal, pour comme ça, Franck comprend votre question. Et pour ça, il faut lever la main virtuellement. Donc, vous pouvez lever la main dans la fenêtre participant. Et il suffit de, en bas de cette petite fenêtre, on peut lever la main et puis dire quelque chose. Et puis voilà. OK. All right. So I would like to thank you, Franck. It was great. So this is a good presentation of what we are going to do in September. And je veux juste dire aux gens qu'il reste encore des places pour ceux qui ne sont pas inscrits à ce séminaire. Comme vous l'avez vu, ce qui est très chouette dans l'expérience de Franck, c'est qu'il ne se contente pas de donner un modèle théorique. Il va apporter à chaque fois une conférence qui dure une heure sur les différents sujets qu'il nous a présentés maintenant. Mais à chaque fois, on va se mettre concrètement dans ce modèle, c'est-à-dire quand il parle de rapport humain, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quand il parle de la nature de l'habitat, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quand il parle de santé, ça veut dire quoi concrètement? Quel modèle on met en place? Donc c'est quelque chose qui s'adresse à nous en tant qu'individus, en tant qu'homo sapiens, mais qui s'adresse aussi à nous en tant que professionnels, thérapeutes, éducateurs, enseignants, parce qu'à chaque fois, il va prendre dans son histoire de biologie, de ses expériences de vie, et nous amener vers un modèle concret, comme il disait dans une de ces diapos, c'est bien sûr on ne peut plus revivre au paléolithique, on ne peut pas regretter le bon vieux temps est passé, on ne peut pas continuer tête baissée dans ce qui est en train de se passer, dans notre civilisation qui finalement s'écroule, il faut inventer de nouveaux modèles, de nouvelles organisations sociales, mais ça veut dire que nous les professionnels de la santé, de l'éducation, on a quelque chose d'autre à mettre en place. J'en profite pour faire une pub puisque justement ça tombe bien, dimanche je fais une conférence sur ce sujet, nouveau paradigme dans l'éducation et dans la thérapie.
Alors, personne ne veut lever la main, personne ne veut poser de questions. Vous êtes intimidé peut-être. On est entre nous. N'hésitez pas. Alors, Dorothée. Oui, Dorothée, je te mets le son et je baisse ta main. C'est à toi, Dorothée. Si tu parles en anglais, vas-y. Sinon, j'essaierai de traduire, même si c'est pour moi. I'm sorry, Frank. I don't speak English. je suis très, très... Ça résonne beaucoup tout ce qu'il dit. Oui. Dans moi au niveau individuel et au niveau de mon métier, puisque je suis soignante, mais aussi également je travaille dans le secteur de la périnatalité. Oui. Et d'ailleurs, je connais mal Franck, mais qu'est-ce qu'il pourrait dire par rapport justement à tous ces mouvements que l'on peut mettre en place pour les jeunes parents pour justement intégrer le mouvement de façon positive chez la mère et l'enfant en fait. Ok, merci Dorothée. Je te laisse couper ton micro et je vais traduire un petit peu ce que tu as dit. Ok, Frank, so Dorothy is working with parents and with their little children and babies, and she would like to know, what do you suggest to do when you are a parent with small children, or when you are a lady and you are pregnant? What kind of movement, what kind of move do you suggest to do when you are taking care of little child and when you are pregnant as a woman? Well, I don't have any special expertise in that area. Okay, most of the work I've done has been with adults and children, teenagers and above. So I can't tell you about really little kids, but some of the principles that you're going to learn in the workshop, I think will carry over, especially your ability to touch people and to guide them into different movements and games. The stuff with the medicine ball is fantastic, and especially the stuff that we do with just target touch. You get people on one foot and work the target touches. That would be fantastic work for little kids. Okay, great, thanks. Alors, d'un point de vue personnel, lui, il n'a pas d'expérience avec ni les femmes enceintes, ni la périnatalité, ni les petits-enfants eux-mêmes de l'âge de maternelle. Il travaille plutôt avec les adultes et les enfants un petit peu plus grands. Donc, il n'a pas d'expérience directe. Donc, il ne serait pas conseillé de type de mouvement particulier. Mais en revanche, il dit, la philosophie et l'approche qu'on va développer pendant le stage va être très importante pour toi en tant que professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler sur le rapport à l'autre, on va travailler sur le toucher, et on va avoir tout un tas de jeux, comme avec le ballon lesté, etc., qui va créer des interactions. Et ce type d'interaction, ce type de toucher, ce type de relation qu'on va apprendre à établir pendant le stage, c'est des choses qu'en tant que thérapeute, sont essentielles à connaître et à savoir mettre en place. Et donc ensuite, ce sera à toi d'apprendre à faire ce lien avec ta clientèle et avec les gens avec lesquels tu travailles. Mais on n'enseignera rien de spécifique pour les femmes enceintes ou pour les petits-enfants. C'est plus une philosophie, une approche globale. Voilà, merci. Si quelqu'un d'autre a... Alors, je vois qu'il y a des questions écrites. C'est dur pour moi de traduire et en même temps de lire. Mais par exemple, comment intégrer plus de mouvements de façon naturelle dans notre société sans pratiquer une discipline spécifique? Est-ce que le toucher sera suffisant? Someone is asking a question. How to integrate more movement naturally in our society without doing a specific discipline, without practicing something specific? How to increase, to put more movement into our lives naturally? Is touch enough? She is also adding, is touch enough? Well, the first thing I would do is get people to understand this difference between exercise and movement. Yeah. Because exercise is the dominant idea that's out there right now, that you have to exercise. But the idea that I am promoting and a lot of trainers are now promoting is that movement is the key. So I think if we can educate people is less exercise and more movement, yeah, that would be really helpful. Yeah. La première chose qu'il faut voir, c'est un véritable changement de paradigme que je propose, et je suis d'ailleurs pas le seul à parler de ce changement de paradigme, c'est de bien voir qu'il y a une énorme différence entre
des exercices, faire des exercices et le mouvement. Aujourd'hui, le modèle qui est proposé par notre société, c'est qu'on nous dit « faites plus d'exercices, faites plus d'exercices ». Moi, c'est l'inverse que je dis. Il faut moins faire d'exercices et plus de mouvement. Et donc, il faut revoir ce rapport que nous avons avec le mouvement. Donc, introduire plus de mouvement dans notre société, dans notre mode de vie, oui, mais moins d'exercices. On ne veut pas plus d'exercices. Ok, quelqu'un veut poser une question ? En levant la main, je peux vous donner la parole. On aura d'autres petites conférences, mais ce n'est pas une obligation. Alors, Jules, ok, Jules, c'est à vous, je vous écoute. Jules, normalement j'ai branché votre micro, on doit pouvoir vous entendre. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfait, merci Jules. On vous voit parler, on vous entend. Hi Frank, thanks for your work. It's awesome and really inspiring. I'd like to have your view on IDO Portal's work. Alors Jules voudrait avoir le point de vue de Frank sur le travail d'IDO Portal. My experience with IDO Portal has been really exciting. He's a fantastic athlete and a really good teacher. Je trouve qu'il est génial, ce qu'il fait est génial. En plus, c'est un super enseignant, IDO Portal. I think his focus is highly gymnastic, and that's great. My focus is, I think, broader, wider, and more about the human experience and human evolution. Mm-hmm. So his work is fantastic, and I love it. So moi, j'adore son travail, c'est fantastique, mais c'est vrai qu'il est plus orienté un peu gym, alors que moi, mon point de vue est beaucoup plus large d'un point de vue de l'évolution humaine et du rapport à notre société, etc. Mais ce que fait IDO Portal, c'est absolument fantastique. Merci, Jules. Je vous laisse couper votre micro. Une autre question ? Oui, quelqu'un demande si le stage se passe dehors. Le stage se passe dans un bois. En fait, on aura toutes les présentations dans une salle qui est contre un bois, et puis avec vidéo, projecteur et tout. Et puis ensuite, paf, on passe dehors, on est juste à côté du bois et on fait les choses en extérieur, bien sûr. Et puis, comme tout le monde sait, c'est en Normandie. Et en Normandie, au mois de septembre, il fait toujours très, très beau. Bien. OK. Donc, eh bien, ce que je vais faire, what I'm going to do, Frank, is to close the meeting because there is no question. And I said to people that in the next few days, you are going to do more presentation, maybe on different subjects for us. And that's great. And I think people are waiting for that. And I'm just going to close the meeting. It was so nice to have you and to host the first meeting with Frank in French. I'm very happy to do that, and we hope to see you in September, and that the situation is not going to last, and that the European Committee will open the borders for having you. And what I'd like to say to is our next meeting is with David. So la prochaine conférence qu'on fait, c'est la semaine prochaine avec David Lesonda qui va nous faire un point sur le fascia et l'importance du fascia. Je vais même faire une petite diapo, vous allez voir. Je ne vais pas vous voir, mais vous trouvez toutes nos activités prochaines, nos prochaines réunions sur www.apprendre.org. Et là, vous verrez nos conférences. Dimanche, je donne une conférence sur changement de paradigme dans le domaine de la santé et de l'éducation. Je crois que c'est lundi ou mardi, désolé. On aura une conférence par David Lesondac sur le fascia. Ah oui, je ne peux pas faire ça. OK. En tout cas, merci pour votre présence. À très bientôt. Désolé pour les problèmes techniques qu'il y a eu avec mon micro et pour les gens qui étaient sur YouTube. J'ai heureusement enregistré sur mon ordinateur et on va pouvoir rediffuser ça. Donc, vous étiez 200 au plus nombreux. Il y avait sûrement des gens sur YouTube. En tout cas, merci pour une autre conférence avec Franck. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. And Franck, I will take you alone on to debrief. It was fantastic to have you. Thank you very, very much. Thank you, everybody. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.